Et vous allez les voir une fois que tout est préparé, ouais, vous allez cuisiner avec amour. Vous allez voir vos petits, entre guillemets. Nous avons eu le plaisir d'accueillir la présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire, qui s'occupe, qui est un GIP, qui s'occupe de la protection de l'enfance. C'est un domaine auquel je suis particulièrement attachée. Et donc, les échanges ont été fructueux, nombreux. On a essayé de lui montrer toutes les facettes de notre accueil au niveau des Bouches-du-Rhône. Et puis, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer les bonnes pratiques et de voir que c'est important de faire le maximum pour nos enfants. J'ai le plaisir de répondre à l'invitation de votre présidente Martine Vassal, qui m'a permis justement d'ouvrir généreusement toutes les portes de différentes structures qui accueillent des jeunes enfants, ici même. Alors, l'avantage aussi de cette découverte au travers des Bouches-du-Rhône, et avant j'étais en Saône-et-Loire, c'est justement de voir les différents parcours, ce dont les professionnels ont besoin dans leur pratique, ce qui leur permettrait d'être encore meilleurs, d'avoir aussi la gestion de leurs émotions, du temps de travail qui est le leur. Et puis surtout de voir comment ils ont organisé à la fois spatialement leurs univers. Et puis s'il y a une chose que je retiens dans les Bouches-du-Rhône, et grâce aussi à l'énergie de votre présidente Martine Vassal, c'est que j'ai vu des enfants qui étaient tous souriants, épanouis, joyeux, qui allaient facilement vers nous. Et je remercie encore la présidente d'avoir eu la générosité de me faire découvrir toutes ces structures, de donner de son temps.